Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Yoann Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois André Loez. Bonjour André. Bonjour Nicolas. Alors André, aujourd'hui on ne fait pas une émission en, en commun, c'est vous qui êtes invité dans Histoire en série. J'ai un grand plaisir à vous recevoir, c'est très très sympa pour parler d'une série euh, qui a aussi fait beaucoup parler d'elle, on va y revenir, c'est The americans Mais avant ça, je, pour celles et ceux qui euh, auraient la malchance de ne pas vous connaître, je les renvoie vers votre podcast, euh, bien sûr Parole d'Histoire, hein, excellent podcast, qui y en a plus de 200 numéros, je prendrai. Oui, 230, un truc comme ça. Voilà, donc vous présentez l'actualité en histoire, alors toutes les actualités, vous avez présenté des films, des séries et vous parlez aussi beaucoup des actualités, des livres, donc ça c'est très intéressant. Parole le site internet, je vous y renvoie, c'est excellent, allez l'écouter. Et vous êtes aussi, vous avez travaillé énormément sur 14-18 et plus récemment, chez Passé Composé, je renvoie à l'ouvrage collectif que vous avez dirigé en plusieurs tomes, Mondes en guerre, vraiment un ouvrage qui, André, fait la synthèse sur les conflits de camp à camp. 1870-1945, en essaie de montrer, ça s'appelle guerre mondiale et impériale, et donc les, les liens entre les deux. Bon, aujourd'hui, on va être dans la période post-seconde guerre mondiale. On va évoquer une période qui a beaucoup marqué l'histoire, hein, la guerre froide et l'après-guerre froide. D'ailleurs, on va y revenir. Alors, on va parler de la série The Americans. Je l'ai dit à l'introduction. Peut-être, André, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter la série? Oui, The Americans, c'est une série bon, moi, que je considère comme vraiment une des meilleures des 15 dernières années. C'est une série de 6 saisons. Qui a été diffusée sur la chaîne américaine FX entre 2013 et 2018. Euh, c'est ensuite passé sur différentes plateformes en France. Aujourd'hui, on peut la voir en intégralité sur Disney+. Ça a longtemps été sur Netflix. Aujourd'hui, c'est entièrement visible sur Disney+. C'est une série qui a été créée par Joe Weisberg et Joe Weisberg, donc c'est le, le showrunner de la série et c'est un ancien agent de la CIA. Et du coup, ça permet de comprendre évidemment tout ce qu'il a mis de, de son expérience dans cette série d'espionnage. Euh, alors, c'est une série qui a été un, un gros succès. Gros succès d'estime, puisqu'elle a été très, très suivie et acclamée par les critiques. Un tout petit peu moins du point de vue des spectateurs par le public. On en reparlera peut-être. Il y a une question de rythme, parfois, qui est, qui est assez lent. Euh, acclamée aussi dans l'industrie de l'audiovisuel américain, puisqu'il y a eu en tout 18 nominations aux Emmy Awards, 4 victoires aux Emmy, 2 notamment pour l'acteur extraordinaire Matthew Reese, qui joue l'un des personnages principaux, 1 pour l'actrice Margot Martindale. Euh, qui joue un personnage secondaire, et puis également, euh, pardon, c'est un pour Matthew Ris, deux pour Margot Martindale, et puis un pour euh, les auteurs euh, dans des épisodes de la dernière saison. Qu'est-ce qu'il y en est alors finalement, quand on rentre dans les détails maintenant, André, du pitch de la série, véritablement Qu'est-ce qu'on peut dire dessus Présentez-nous l'histoire, tout simplement. Alors, Le titre c'est The Americans. Et qui sont ces Américains C'est Philippe et Elizabeth Jennings, qui en apparence sont un couple américain parfaitement ordinaire de la classe moyenne euh, en 1981 dans la banlieue de, de Washington, D.C. Euh, ils ont deux enfants, Paige et Henry, une fille et un garçon. Ils dirigent une agence de voyage. Ils sont bien insérés, ils sont amicaux avec leurs voisins. Mais en fait, ils sont Américains seulement d'apparence, puisqu'ils sont tous les deux nés en Russie. Ce sont des agents infiltrés de l'Union soviétique, des agents du KGB et qui ont été entraînés depuis leur jeunesse à parler parfaitement anglais, à déguiser leur identité d'espion derrière cette apparence de la vie des suburbs, des voitures, des soirées devant la télévision, à manger du mac and cheese, des parties de squash. Ils ont une couverture qui leur travaille, mais ils se livrent à plein à d'activités des d'espionnage qui les amènent même à des actions violentes. C'est une série qui montre énormément de, de meurtres et d'opérations, non seulement de, de renseignement, mais également de violence. Et donc le, le, le pitch de la série et ce qui fait l'intérêt dès le premier épisode, hein, c'est que ce couple en apparence ordinaire d'agents du KGB infiltrés euh, ont des nouveaux voisins qui emménagent en face de chez eux. Et ces nouveaux voisins, c'est Stan Biman et son épouse. Et Stan, eh c'est un agent du FBI euh, dans la division... Euh, Contre, euh, du, de la contre-intelligence euh, du renseignement qui, lui, a pour euh, mission de chercher les agents soviétiques. On comprend très bien que euh, ben, l'intrigue est une intrigue à la fois d'espionnage, mais une intrigue familiale. Est-ce que le couple Jennings, qui est un couple fictif, un mari, une femme, mais qui sont avant tout des agents qui ne sont pas censés s'aimer, amoureux, est-ce que ce couple peut être un vrai couple Est-ce qu'ils peuvent être une vraie famille Et puis, qu'est-ce qu'il en est de leur rapport avec euh, celui qui est leur ami et en même temps leur ennemi, euh, cet agent du FBI qui est leur voisin et qui en même temps les traque sans savoir qui ils sont et ce qui fait le sel de la série si j'allais dire c'est que c'est une série c'est une fiction vous l'avez bien dit mais c'est une fiction inspirée de faits réels et ça c'est ça nous resitue concrètement en plein dans la guerre froide tout à fait. Alors c'est inspiré de Ferrel dans deux dimensions. D'abord, euh, la nature même de ces agents infiltrés, j'y insiste un petit peu, euh, ce sont des agents dits illégaux. Et les illégaux, c'est un type particulier d'espion qui est différent d'autres cas. Euh, ce ne sont pas des taupes ou des agents doubles. On connaît bien les exemples, par exemple, de Kim Philby, euh, qui était un, un agent au service du KGB, mais qui bossait euh, dans le service, officiellement dans le service britannique, le MI6. Euh, Aldrich Ames, pareil, membre de la CIA, mais qui travaillait secrètement pour le KGB. Donc ça, c'est un phénomène très classique, c'est des agents doubles. Ils travaille pour un service de renseignement, mais il donne en fait des renseignements aux services adverses. C'est pas non plus des sources, c'est-à-dire des gens qui sont recrutés par une puissance étrangère dans un pays donné, donc euh, mettons un Américain euh, qui travaille dans l'industrie aéronautique euh, et qui se met à donner des informations euh, au KGB. Euh, et c'est pas non plus des espions sous couverture classique. Et d'ailleurs la série en montre plein. Ces espions sous couverture classique, c'est par exemple quelqu'un qui officiellement est conseiller culturel d'une ambassade et en réalité se livre dans le pays concerné des espionnages. d'espionnage. Un illégal, c'est différent. Et si je m'appuie sur euh, le dictionnaire du renseignement euh, de Jérôme Poirot, qui en donne la définition, euh, c'est un agent établi sous une fausse identité. Qui n'a aucune protection juridique parce que du coup il appartient pas au service de l'ambassade et il est aussi coupé de ses services, c'est-à-dire que personne ne sait qui il est, y compris d'ailleurs les, les membres du KGB. Ils ne connaissent pas l'identité dans la série des, des Jennings. Ils interagissent avec eux par des messages codés, par des officiers traitants qui les rencontrent, mais ils ont une vie complètement cloisonnée parce que ce sont des atouts extrêmement précieux. Il a fallu des années d'entraînement, c'est très cher de financer ces illégaux, de les entraîner, de les implanter dans le pays, c'est à très long terme parce qu'on les installe dans un pays et puis c'est parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Qui peuvent accéder à des postes, qui commencent à pouvoir donner des, des renseignements. Donc, c'est un investissement très très élevé pour créer ce qu'on appelle la, la légende. C'est un terme qui est familier, évidemment, des, des amateurs de série. Le bureau des légendes travaille aussi avec ce type de, de personnages infiltrés. Et là, c'est une infiltration à, à très long terme. Alors ces infiltrés, donc, qui sont gérés par la direction S du KGB. Et effectivement, la série The Americans, elle s'appuie notamment sur, d'abord, des choses, problèmes dont Weisberg avait entendu parler dans son passage dans la CIA, mais aussi par une affaire qui a été révélée en 2010 quand le FBI a arrêté 10 illégaux infiltrés aux États-Unis sous légende, et certains qui étaient là depuis très longtemps. Alors, le, le, le plus spectaculaire, peut-être, c'est un couple qui était, alors, lui, un couple réel, c'est-à-dire qu'ils étaient mariés et femmes en Union soviétique. Tous les deux dans le KGB et ensuite sont partis ensemble en Amérique et c'est le couple bezroukov Vavilova, Andrei Bezroukov et Lena Vavilova. Euh, ils ont été envoyés à la fin des années 80 en Amérique du Nord et puis ensuite quand l'Union soviétique est devenue la Fédération russe, bon, ils sont restés pour le service secret russe euh, sous un faux nom. Lui avait pris le nom euh, Donald Heathfield et il avait pris le nom en fait du, du fils d'un diplomate canadien décédé à l'âge de 7 semaines. Pourquoi Parce que d'après ce que j'ai compris, hein, le Canada c'est un pays où il n'y a pas d'état civil centralisé donc c'est beaucoup plus facile. De prendre une fausse identité de quelqu'un qui a réellement existé. Et du coup, c'est beaucoup plus simple ensuite d'avoir des papiers et d'exister légalement. Et donc, sous cette fausse identité, ils vivaient. Et ils ont fini par, être, euh, fini par être démasqués à travers une, une longue enquête du FBI qui a permis de les arrêter ensuite de les expulser, euh, de les échanger avec euh, des espions que détenait la Russie. Ça s'est passé en 2010. C'est une série, on le voit à votre présentation, André, qui a de nombreuses qualités. C'est très intéressant de voir ça. La première, c'est vraiment l'attention, la comme ce sont, vous l'avez dit, hein, des agents qui sont illégaux, qui sont là pour représenter une vie de famille. L'attention, finalement, entre leur vie d'espion et puis la vie familiale. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent très bien dans The Americans. Oui, c'est même fondamental. Je dirais que c'est le moteur principal de la série euh, qui mêle en permanence les intrigues d'espionnage et les intrigues familiales, parce que dans les deux cas, se pose la question de la sincérité, de la dissimulation, de la loyauté. Euh, on agit, on ment en permanence dans ce métier d'espion, mais est-ce qu'on ment aussi à son conjoint Est-ce qu'on peut faire confiance à son conjoint Quand Philippe dit à Elisabeth qu'il l'aime, ou l'inverse, est-ce qu'ils disent la vérité ou est-ce qu'ils sont en train de se manipuler mutuellement Qu'est-ce qui peut naître de sincère dans un couple qui passe son temps à mentir et à trahir et qui peut se trahir mutuellement. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi des questions de loyauté plus larges, en particulier parce que comme ils sont infiltrés depuis longtemps aux États-Unis, euh, ben, ils ont cette petite vie américaine qui, par certains côtés, peut leur convenir. Philippe, en particulier, au début de la, la première saison, on voit très bien que Philippe... Il est finalement très à l'aise dans cette vie de père de famille américain. Il emmène sa fille au centre commercial, il regarde des matchs de hockey et il prend des bières dans son frigo comme un Américain de la classe moyenne ordinaire. Et du coup, la cause de l'Union soviétique et les actions souvent très déplaisantes qu'on doit faire pour elle, les assassinats, coucher avec des, des atouts potentiels, les séduire pour obtenir des informations, ça lui pèse de plus en plus et lui serait prêt sans doute à passer à l'Ouest. Autrement dit, il serait prêt à trahir, mais trahir pour être sincère en fait à lui-même. Inversement, Elisabeth, c'est celle des deux dans le couple, hein, jouée par Kerry Russell, qui, qui a vraiment une très belle interprétation. Euh, c'est celle qui euh, est vraiment la, la plus convaincue idéologiquement et qui, elle, ne se voit pas du tout euh, vivre aux États-Unis et y prendre plaisir. Et donc, il y a une tension à l'intérieur du couple parce que l'un d'entre eux, finalement, s'est vraiment américanisé, l'autre est resté euh, dans sa pureté idéologique soviétique. Et donc, ça crée une tension interne qui se superpose à l'amour qu'ils éprouvent aussi, qui se superpose euh, à toutes les opérations qu'ils doivent mener qui déstabilisent en permanence euh, leur mariage. Et là, ça pose d'énormes problèmes au fur et à mesure que la série avance, d'autant plus qu'à partir de la troisième saison, intervient une variable. Alors je ne sais pas dans quelle mesure on peut tout dévoiler, on certainement pas la fin, mais en tout cas, cet enjeu devient prégnant, il faut quand même le dire, je pense, à partir de la troisième saison, c'est qu'est-ce qu'on fait des enfants. Parce que tant que les enfants étaient petits, finalement, c'était assez simple de babysitter le jour et de pouponner le jour et d'espionner la nuit. On comprend bien que c'est comme ça qu'ils s'organisaient. Mais au bout d'un moment, leurs enfants arrivés à l'adolescence. Paige, à 11-12 ans, au début de la série, commence à poser des questions, commence à se demander pourquoi ses parents sortent si tard le soir. Ils sont agents de voyage après tout. Ils ne sont pas non plus chirurgiens requis d'être là au milieu de la nuit pour une opération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est allé et venu Pourquoi est-ce que on n'a jamais rencontré un membre de la famille Pourquoi elle n'a pas de grands-parents, de grands-oncles, etc. Donc, Paige et se pose beaucoup plus de questions. Et on se rend compte que le cloisonnement entre vie américaine et puis vie secrète du KGB, il est de plus en plus difficile à tenir au fur et à mesure que la série avance dans le temps. Et de ce point de vue-là, l'histoire est intéressante parce qu'il y a un rapport à la temporalité qui est vraiment présent dans la série les choses évoluent. Et on se demande même si Paige, il ne faut pas lui dire la vérité, si elle va la découvrir toute seule, donc c'est leur, leur grande fille qui est adolescente, est-ce qu'elle va la découvrir toute seule Est-ce qu'elle risque de les dévoiler Est-ce qu'elle risque de les trahir Elle se rapproche d'un prêtre Est-ce qu'elle va tout dire à son est-ce qu'elle-même ne va pas être recrutée par le KGB Parce que pour le KGB, c'est une aubaine. Euh, carrément, elle, elle est américaine, née en Amérique avec des papiers euh, réels. Donc, euh, si elle peut devenir stagiaire au département d'État dix ans plus tard, euh, ce serait euh, idéal. Donc, là, il y a toute une série d'enjeux qui concernent les rapports familiaux euh, qui deviennent de plus en plus pesants pour les personnages principaux et qui euh, sont un moteur euh, clé de la dramaturgie avec aussi l'idée, André, euh, par rapport à ce que vous dites, une, presque une schizophrénie, véritablement une schizophrénie même linguistique, hein, avec euh, toujours ces personnages qui sont dans le bilinguisme. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un vrai, un vrai cloisonnement. Oui, alors en réalité, euh, c'est moins les personnages que la série qui est dans le bilinguisme, parce que les, les personnages principaux, donc le couple Jennings, euh, Mathuris, Kerry Russell, euh, qui joue ce, ce couple d'Américains euh, soviétiques infiltrés sous l'identité américaine, eux en fait ne parlent pratiquement jamais russe dans la série parce qu'ils s'astreignent à ne parler en, que anglais, et ça c'est attesté. On sait que les, les espions réels dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, ne parlaient que anglais entre eux et en famille pour maintenir leur couverture et leur légende le plus longtemps possible. En revanche, il y a toute une fraction de la série qui se passe du côté euh, du KGB et du côté de ce qu'on appelle la residentura, c'est-à-dire. Le, le résident du KGB et ses services qui sont à l'ambassade à Washington et eux on les suit dans leur dialogue en russe et ça c'est un parti pris de la série qui à mon avis est très très payant pour le spectateur qui voit donc les personnages américains parler en anglais les personnages russes parler en russe et de temps en temps bah, ils discutent entre eux et il y a des incompréhensions d'ailleurs qui peuvent en résulter et donc là il y a toute une série de personnages qui sont des personnages très très attachants d'ailleurs en particulier une jeune femme qui s'appelle Nina Sergeyevna. et Nina bah, elle devient un peu malgré elle euh, une agente double euh, qui, qui d'ailleurs change plusieurs fois de loyauté au cours des, des premières saisons euh, et qui est prise aussi dans ce maelstrom puisqu'elle euh, est euh, la proie en quelque sorte de l'agent du FBI dont j'ai parlé tout à l'heure qui cherche à la faire parler qui cherche à obtenir des informations à travers elle qui tombe évidemment amoureux d'elle et qui et donc de nouveau il y a des interférences entre euh, relations sentimentales et euh, relations d'espionnage où euh, c'est très très dur d'estimer la loyauté et la sincérité de l'autre euh, et puis euh, cette euh, oui cette, euh, cette double langue le fait que ce soit en russe, euh, ça donne une autonomie en fait à chacun des camps. C'est-à-dire que c'est une série sur la guerre froide, mais c'est une série qui ne prend pas position dans la guerre froide d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne présente euh, le camp du bien, le camp du mal. On voit évidemment que ce que font ces espions soviétiques, c'est souvent des choses absolument euh, repoussantes et eux-mêmes d'ailleurs en sont souvent dégoûtés. Mais on montre aussi euh, les Américains sous un jour pas très favorable avec euh, parfois des exactions qui sont commises. Donc c'est une série, je dirais, qui donne sa chance à tous les personnages, y compris aux agences du FBI qui sont euh, suivis et qui ont leurs raisons d'agir et qui euh, euh, sont plutôt euh, montrées de manière très intéressante. Donc c'est une série voilà où chacun a ses raisons et ça, je trouve que c'est une grande, grande qualité sur le plan écriture. Avec, porté par des acteurs, vous l'avez dit, hein, récompensé, une, une paire d'acteurs vraiment impressionnante, surtout, j'allais dire presque, vous l'avez dit, hein, Kerry Russell qui joue très très bien, cette, cette infiltré, on va dire, qui a du mal avec la société américaine, mais qui en même temps euh, s'y font dedans. On a véritablement là une, un vrai jeu d'acteurs. Oui, un vrai jeu d'acteurs en plus rendu très très intéressant par les jeux de déguisement constant, puisque euh, si vous allez en ligne, vous trouverez facilement des, des pages avec le classement des meilleurs déguisements, des meilleures perruques euh, dans The Americans, parce qu'ils passent leur temps à être sous fausse identité et donc dès qu'ils contactent une source, évidemment, ils ne peuvent pas se montrer sous leur visage réel, donc ils ont des grosses lunettes, une barbiche, un postiche etc. Donc ça, euh, pour les acteurs, c'était soit c'est pénible parce qu'ils devaient passer énormément de temps au maquillage, en coiffure euh, pour se transformer, mais ça donne quelque chose d'assez plaisant, c'est métamorphose permanente, et puis un jeu d'acteurs absolument époustouflant pour les deux dans un registre d'ailleurs très différent c'est-à-dire que euh, Kerry Russell qui joue euh, Elizabeth Jennings elle elle joue euh, une forme de dureté de pureté idéologique euh, elle est tout en retenue de ses sentiments elle se laisse pratiquement jamais aller et euh, elle cherche à maintenir sa, sa, sa pureté idéologique dans une situation euh, d'espionnage et c'est ça qui lui donne la force de continuer et puis euh, Philip Jennings joué par Matthew c'est un acteur gallois euh, qui, qui bon, évidemment l'accent le, le, ne s'entend pas il, il joue parfaitement euh, cet accent américain euh, lui alors c'est peut-être euh, le, le fait masculin de s'identifier davantage mais je, je moi, j'ai vraiment un fait pour son interprétation que, que je trouve exceptionnel, notamment parce que dès la première saison, et surtout dans les saisons 3, 4, 5, on voit à quel point euh, ce travail lui pèse, à quel point il est de moins en moins convaincu idéologiquement par la justesse de la cause soviétique, et il est amené à faire des choses épouvantables euh, qui pèsent sur sa conscience lorsque, euh, bah, parfois, pour mener une opération d'espionnage, il faut tuer un innocent et euh, il le faisait sans doute plus facilement avant que la série commence dans les années 70 elle ne nous montre pas mais dans les années que l'on suit entre 80 et 87 ça devient très très lourd pour lui on voit bien que ce qui fait le dégoût et en particulier lorsqu'il doit séduire une jeune fille euh, pour avoir accès à l'information parce que c'est la fille d'un membre de la CIA donc il doit sous une fausse identité de la séduire et, et peut-être même coucher avec elle et elle a à peu près l'âge de sa propre fille et là on voit qu'il se dégoûte Totalement et en même temps il le fait parce qu'il est pris dans cet engrenage et c'est euh, des moments qui sont d'ailleurs pas faciles à regarder tellement il euh, y a un poids émotionnel qui est fort qui est transmis par euh, Matthew. Rhys. Et puis, c'est une série qui, le succès aussi peut être dû à, aux années 80. C'est une série qui s'inscrit véritablement dans un revival des années 80, comme on a pu voir avec une autre série, peut-être plus pour adolescents, on dira Stranger Things, hein, où, où le contexte de la guerre froide est aussi très, très présent. On voit bien que ces années-là sont des années qui ont marqué le, le public et qui, véritablement, fait que cette série fonctionne bien. Ce n'est peut-être pas par hasard si elle est située là et pas peut-être en amont. Oui, c'est très intéressant et, et je dirais que là, là, pour les historiens que nous sommes, c'est intéressant aussi de voir à quel moment le passé devient du passé, c'est-à-dire que les années 80 ont on est peut-être au moment dans les années 2010 où ça devient suffisamment du passé pour être fictionalisé et on a vu effectivement euh, Stranger Things, on a vu euh, Halt and Catch Fire qui est une série intéressante sur les débuts de l'informatique euh, et de l'internet. Euh, on a vu Narcos également hein, qui revisite euh, toute la lutte contre Pablo Escobar à euh, la fin des années 80 et ces euh, années-là en Colombie. On a même vu le cinéma Wonder Woman 84 qui est plus sur un mode un peu popcorn, euh, néon, euh, nostalgie euh, des années 80. Euh, on a vu aussi un remake de Miami Vice, la série emblématique des années 80 par Michael Mann. Et puis, si on est plus spécifiquement sur les enjeux Est-Ouest, il y a une série, alors que je n'ai pas vu, mais dont on m'a dit beaucoup de bien, qui est équivalente à une série d'espionnage qui s'appelle Deutschland 83, qui se passe en Allemagne de l'Est et qui est une histoire d'espionnage également. Et puis, il y a une autre série qui a été très importante, c'est Tchernobyl. Tchernobyl qui aussi s'est emparé de la question du bloc de l'Est, de son effritement, de ses vulnérabilités, de ces années 80, qui sont devenues de l'histoire. Donc, c'est assez intéressant de voir que, effectivement, ces années 80 forment un cadre qui est un cadre très exploité aujourd'hui par le cinéma et par les séries, peut-être parce que c'est un passé à la fois suffisamment proche pour passionner suffisamment distant pour être mis en scène de manière intéressante, ça permet aussi de jouer sur la nostalgie de la bande originale, on entend De Cure, on entend Peter Gabriel, c'est très réussi de ce point de vue-là, sans être trop voyant non plus, c'est assez subtilement fait et ça marche, ça marche très très bien. Oui, on renvoie les auditeurs, on a travaillé sur quelques numéros de Histoire en série dessus, donc Deutschland 83-86, Emmanuel Droit est venu les présenter, il va venir présenter le 89, hein, qui est sur la, le final et la chute du mur. On a vu aussi Tchernobyl avec Julie de Shepper, par exemple, donc c'est effectivement l'intérêt de la série, c'est de voir véritablement qu'on a, euh, ici, André, euh, l'idée importante, qu'on peut voir les grands événements, la présidence de Reagan, l'Afghanistan, les grandes tensions dans le monde ces années 80, ça resitue tous les « Americans. Oui, tout à fait. Euh, la série s'inscrit dans une trame réelle qui est euh, la période qu'on appelait parfois la guerre fraîche ou euh, le retour de la guerre froide, le retour de grande intensité de la guerre froide, euh, c'est-à-dire les années euh, Reagan euh, à partir de 1980 jusqu'en 1987. Ça se termine sur le moment de la perestroïka et le moment où euh, on se, se demande dans quelle mesure Gorbatchev va réussir à négocier un processus de paix et euh, le, le sommet de Washington et finalement la, une forme d'apaisement avec les États-Unis. Mais euh, dans les premières années de la série, euh, dans les quatre premières saisons, en gros, on est vraiment dans ces années 1981-1983, qui sont les années d'intensité maximale de la Seconde Guerre froide, d'intensité maximale parce que euh, bah, c'est la fin de la détente qui avait été concrétisée par les accords d'Helsinki en 1975, euh, qui avait été un grand accord sur la sécurité en Europe et les droits de l'homme, qui avait marqué un peu l'apogée du processus de détente initié en 1962, qui avait euh, fait que l'Union soviétique s'était mise à table finalement avec les occidentaux pour négocier sur un, à la fois les, les frontières, sur sur les droits de l'homme, sur la stabilité européenne. Là, les tensions ont remonté. Les tensions ont notamment parce que dans les espaces périphériques de la guerre froide, eh bien, il y a eu toute une série d'événements, notamment la guerre civile en Éthiopie, notamment l'invasion soviétique de l'Afghanistan, mais aussi toutes les questions qui sont liées au déséquilibre nucléaire. C'est la période où l'Union soviétique a des missiles qui peuvent frapper l'Europe occidentale, tandis que du côté occidental, on n'a pas le même dispositif. Et donc, ça a déclenché ce qu'on appelait la crise des euromissiles, où on a beaucoup discuté dans les années 80 de l'installation en Allemagne de l'Ouest, de missiles américains pouvant frapper à moyenne et courte portée euh, les pays de l'Est et de l'Union soviétique. Donc tout ce contexte-là de tension extrêmement vive est restitué par la série euh, à travers, encore une fois, des, une trame réelle, des personnages réels. Euh, on a par exemple dans la saison 1 le ministre de la Défense, le secrétaire de la Défense Kaspar Weinberger, dont le bureau est mis sur écoute par Philippe et Elisabeth qui réussissent à, à placer un micro dans un objet que la femme de ménage qu'on a réussi à, à forcer à le faire sous menace, elle a placé un, un micro dans le bureau, comme ça ils ont accès aux discussions secrètes du ministre de la Défense on a également les préparatifs du Sommet de Washington en 1987 dans la sixième saison de la série, donc là ça suit de manière assez fidèle, mais pas trop proche non plus parce que l'intrigue familiale reste toujours au premier plan de manière assez fidèle des événements historiques. Oui, puis ça permet aussi, André, de, de percevoir un peu les tensions de l'époque hein, auprès des, des civils, des gens, on va dire, la, on voit bien la course aux armements qui revient au, au cœur de l'actualité, après la détente, vous l'avez dit, Helsinki, on voit bien Reagan, c'est le retour du programme, la guerre des étoiles notamment, on voit bien ça et puis on voit bien cette peur du nucléaire qui, à un moment donné, réapparaît. Vous évoquez à l'instant les euromissiles, c'est au cœur, par exemple, aussi des craintes soviétiques et de la RDA avec le, dans le Deutschland 83, on voit bien cette idée-là, hein, cette idée que chacun veut placer ses pions et, et là-dessus, bon, je reviendrai dessus après André pour, pour évoquer la série, vous l'avez dit, c'est une vraie série d'espionnage, ça aussi c'est bien. Mais parlez-nous d'abord peut-être de cette tension euh, liée au recours euh, à nouveau aux armements qui reviennent sur le premier plan après une période où on a cru à une embellie dans les années 70 au désarmement et finalement deux blocs qui reviennent face à face grâce à de nouveaux acteurs finalement. Tout à fait. Alors, les années 70, effectivement, au moment de la détente, on avait signé entre les superpuissances un accord de limitation des armements stratégiques. C'était les accords SALT de 1972, Strategic Arm Limitation Stock. Et là, on est de nouveau dans un moment où la question des armements et la question de la supériorité stratégique d'un camp par rapport à l'autre devient centrale. Mais ce n'est pas que le nucléaire. Et peut-être le nucléaire, on peut y venir dans un second temps. Mais d'abord, il faut dire à quel point les activités des espions soviétiques mises en scène par la série concernent en fait l'ensemble des technologies de pointe. Pour lesquels l'Union soviétique perçoit son infériorité, perçoit que son modèle qui a conduit à investir massivement dans les industries de défense dans les années 70, au détriment d'ailleurs du développement économique soviétique, hein, c'est aussi aux origines de la, de la crise finale du système en partie, et eh bien là on se rend compte que si on veut rester euh, à égalité avec les Américains ou en tout cas rivaliser avec les Américains, eh bien il faut obtenir cette technologie de pointe que les Américains développent. Et du coup, euh, la série évoque trois technologies euh, qui, euh, que les Jennings sont chargés euh, d'essayer de, de, de récolter. Euh, D'abord, il y a effectivement tout ce qui relève de ce que Reagan avait annoncé en 1983, l'IDS, l'initiative de défense stratégique, qui est cette ce sorte de dispositif de satellite, de dispositif antimissile, de laser, qui viserait à prévenir, j'ai dit 83, je crois que c'est 81, pardon, qui viserait à, à empêcher finalement des missiles soviétiques de toucher le sol américain. On sait aujourd'hui que ça avait peu de chances d'être réalisé, mais que c'était un grand projet qui avait été lancé, qui avait été surnommé la Guerre des Étoiles dans le contexte évidemment de la sortie de, de ces films et qui avait fortement inquiété les Soviétiques, qui avaient cherché à rivaliser sur ce plan. On voit également un passage très intéressant de la série lorsque on met la main sur un savant informaticien qui est en train de développer ARPANET. Arpanet, c'est l'un des ancêtres d'Internet. C'est le premier réseau de transfert par paquet de données informatiques qui a été développé dans les années 60-70 aux États-Unis, notamment. Et là, il y a un chercheur, eh bien, qui est kidnappé littéralement pour le développer du côté soviétique aussi pour ne pas passer à côté de cette évolution technologique. Et puis, il y a également toute la question des avions indétectables. De la technologie dite stealth, avec en particulier les peintures qui réfléchissent les rayonnements radars. Et donc, il y a toute une intrigue où, par exemple, les Jennings imaginent des chaussures spéciales qui, si on marche sur le sol de l'usine, arriveront à récupérer des copeaux de peinture presque par magnétisme. Et du coup, on pourra l'envoyer ensuite aux, aux Soviétiques pour qu'ils l'analysent. Donc, toute cette dimension-là, elle est très bien montrée. Hein, cette idée que la technologie, bah, finalement, c'est l'une des clés euh, de, du succès dans la guerre froide. Ça, c'est un point important. Et puis ensuite, évidemment, le nucléaire, c'est un point sans doute qu'on peut, qu peut aborder. Oui, effectivement, le nucléaire, parce que avec Tchernobyl, vous avez parlé de la, la série tout à l'heure, hein, c'est quand même quelque chose qui, qui fait craindre de nombreuses choses à tout le monde d'ailleurs, hein, que ce soit dans le bloc soviétique ou le bloc américain. Et, et là, on sait que depuis 1945, on vit sur, une, euh, sur un monde capable d'exploser, en tout cas hein, capable de se détruire. Et cette peur-là, finalement, on a vécu pendant 40 ans de guerre froide avec ça, et, et on le ressent bien dans la série. Oui, de manière générale, je dirais que l'une des très grandes qualités de la série à mes yeux, euh, et là encore avec le regard de l'historien, c'est de restituer l'incertitude des événements au moment où ils se déroulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une position euh, où on peut parler, peut-être pas vraiment de happy end, mais en tout cas d'une fin de guerre froide sans catastrophe globale. Et donc, on a le recul pour dire, voilà, la guerre froide est terminée, ça s'est bien passé, et il n'y a pas eu de confrontation. Mais les gens qui vivent cette guerre froide dans les années 80 ne le savent pas. Et en fait, ça montre très bien que les Jennings, ils sont aux premières loges. Des craintes, des tensions, euh, du risque nucléaire. Il y a plusieurs euh, moments de la série, plusieurs épisodes qui le déclinent. Euh, il y a en particulier dans la saison 1, euh, je l'ai revu pour préparer notre discussion, un, un des épisodes que j'ai préféré, c'est euh, le quatrième épisode de la première saison, lorsqu'il euh, y a une tentative d'assassinat sur Reagan. Euh, John Inclay, qui était euh, ce. ce ce personnage déséquilibré, amoureux de Jodie Foster, qui voulait l'impressionner, a tiré sur Reagan, il a tué son secrétaire de presse et l'un de ses gardes du corps, paralysé l'un de ses gardes du corps, et donc Reagan a été opéré, et pendant 24-48 heures, on ne savait pas très bien ce qui se passait, qui dirigeait le pays, le président était en opération, le vice-président était aux commandes, mais on ne savait pas trop, et donc il y avait une forme d'incertitude, et on voit très bien que pour les espions soviétiques, bah, d'abord ils ne savent pas si c'est eux qui ont fait le coup, ils ne savent pas si c'est le KGB qui a fait assassiner, tenté de faire assassiner Reagan, ils ne savent pas qui dirige les États-Unis Est-ce que quelqu'un va être tenté de punir l'Union soviétique en déclenchant une frappe nucléaire préventive Et donc là, il y a 24 heures d'angoisse qui sont très bien montrées parce que, bah en fait, on sait aujourd'hui que c'est un déséquilibré et isolé, mais sur le moment, on se demande si ce n'est pas le prélude d'une guerre nucléaire. Et il y a d'autres moments comme ça qui montrent à quel point ces tensions sont présentes. En particulier, il y a un moment en 1983, je crois que c'est dans la troisième ou quatrième saison où Toute la famille se réunit devant la télévision pour regarder un téléfilm qui s'appelle The Day After, qui est un téléfilm qui a été diffusé réellement aux États-Unis en novembre 1983 sur ABC, et c'est un téléfilm qui visait en gros à préparer la population à ce que serait une guerre nucléaire. Donc The Day After, c'est le jour d'après, et donc ça décrit euh, le, une ville du Kansas au lendemain d'une attaque nucléaire parce que c'est près de silos de missiles, et donc ça décrit un paysage dévasté, irradié, des gens, il euh, y a plein de morts, des survivants dans les décombres, et il y a 39 millions de foyers américains qui l'ont regardé, 100 millions de personnes, c'était un, un des records. Absolu de danse aux États-Unis et tout le monde a été traumatisé. Il y a une, la chaîne ABC a mis en place une ligne téléphonique pour assurer les gens qui appelaient, qui étaient paniqués. Enfin, c'était un moment de, de prise de conscience du risque nucléaire très très important, y compris d'ailleurs pour les dirigeants américains. Reagan avait vu le film, avait été très marqué, avait déclaré à des proches qu'il ferait tout pour empêcher la guerre, etc. Donc, euh, ça montre très bien dans quel climat on pouvait vivre. Et pas seulement sur le plan nucléaire d'ailleurs, puisque il y a aussi toute une intrigue euh, dans une des saisons qui tourne autour des armes bactériologiques de la tentative des soviétiques de mettre la main sur des virus que développent les Américains. Et chaque camp se soupçonne mutuellement d'utiliser des armes bactériologiques, de préparer des choses qui pourraient dévaster les céréales du camp adverse. Ça, c'est dans la saison 5. Donc il y a vraiment cette crainte de l'arme fatale de l'adversaire et d'une catastrophe globale qui en découlerait, qui est très très bien montrée dans la série. Et puis André euh, aussi, on revient sur les qualités. On en parlait tout à l'heure de la série. Vous avez évoqué cette idée de l'espionnage. C'est intéressant parce que effectivement, on est sur une époque aussi où les James Bond sont en, en pleinement, va dire. Et là, on n'est pas du tout dans cette idée-là. On est sur quelque chose. Vous l'avez dit, de à la fois, on voit bien comment ça se passe la vie d'espion, mais sur quelque chose de beaucoup plus réaliste là-dessus, qui se calquerait d'ailleurs de ce qu'on a pu voir en France. Vous avez évoqué euh, le Bureau des Légendes, notamment. Mais c'est quelque chose là de beaucoup plus fouillé, de beaucoup plus approfondi, parce qu'on voit le côté plus, on va dire euh, personnel, en tout cas, hein. on voit moins le l'arrière on voit bien le, le plutôt le, le côté des deux espions qui sont vraiment euh, seuls et qui doivent se débrouiller oui, c'est vraiment une excellente série d'espionnage, très différente effectivement du James Bond ou des séries du type alias 24 heures chrono où on a en gros des super-héros euh, hyper actifs, euh, invulnérables. Là, on a au contraire des gens vulnérables, notamment émotionnellement, même physiquement, euh, qui, à qui il arrive euh, qu'on leur tire dessus et du coup, pour une agente de voyage se faire tirer dessus, c'est n'est pas simple. Donc, il faut trouver une manière de le déguiser et d'endurer un peu ça en serrant les dents. Euh, on voit toutes les actions ordinaires de décodage des messages, de comment on envoie un signal, des boîtes aux lettres mortes, de tous ces, ces procédés de l'espionnage

euh, qu'on connaît à travers voilà, toutes les œuvres de, de John Le Carré, par exemple, là, qui sont très bien mises en scène, avec un intérêt particulier, euh, plusieurs intérêts particuliers. On voit très bien comment euh, on utilise dans le monde de l'espionnage ce qu'on appelle en anglais le honey trap, le, le, le piège à miel, c'est-à-dire utiliser quelqu'un du sexe opposé pour séduire une personne, et en particulier comment Elisabeth, euh, régulièrement, et est amenée à coucher avec des Américains pour obtenir des informations et, et elle, la manière dont elle arrive à le vivre tout en en étant dégoûtée, mais en s'en dissociant. C'est vrai aussi du côté de Philippe, donc il y a une récurrence de ce motif. Et on voit que ça pèse évidemment sur le mariage réel entre eux, puisqu'ils sont amenés en permanence à coucher avec d'autres personnes. Et puis, vraiment des intérêts à mes yeux, c'est les années 80 justement, c'est très euh, euh, dépaysant et rafraîchissant, parce qu'on est aujourd'hui dans un paysage saturé du, de ce que j'appelais le thriller numérique où, depuis les Jason Bourne, notamment, ou encore Enemy of the State de, de Scott, de Tony Scott, on a voilà, des personnages qui ont toujours le téléphone portable qui leur montre en temps réel sur une carte le tracker et qui arrivent à hacker les fichiers adverses, etc. Et on est submergé d'écrans et de numérique. Et là, on est dans l'espionnage pré-numérique, c'est-à-dire où les choses se font manuellement, où on suit des gens en voiture, où on a peur de se faire repérer. On n'a pas tous ces gadgets qui qui sont tellement présents aujourd'hui, et du coup, on a affaire à un autre espionnage et on a affaire à une durée de l'espionnage qui est différente, c'est-à-dire qu'une opération, parfois il faut 10 épisodes pour recruter un contact, mettre au point des codes pour communiquer avec lui, et puis ensuite s'assurer qu'il n'a pas trahi, puis ensuite récupérer une information, puis ensuite transmettre l'information au SCO, etc. Et parfois, bah, la temporalité qui est vraiment montrée permet de comprendre comment ça fonctionnait, même si sans doute tout n'est pas réaliste, hein, mais permet de comprendre comment ça fonctionnait mieux, je dirais, que beaucoup de thrillers numériques contemporains. André, vous évoquiez l'ambiance. C'était intéressant parce que vous avez dit aussi tout à l'heure, ces années 80, elles restent aussi dans nos imaginaires collectifs comme des années où il y a véritablement une vraie ambiance avec une vraie musique, pop-musique qui se développe. Et les États-Unis en sont le fer de lance. Et ça, on le voit très, très bien là-dessus. Il y a euh, véritablement quelque chose qui a fait d'ailleurs le succès de la série, mais qui fait aussi qu'on resitue très bien euh, par le paysage sonore en que, dans quelles années ça se passe. Oui, il y a une bande son qui est très intéressante. Il y a les costumes, bien sûr, qui nous renvoient aux années 80. Il y a tous les divertissements populaires, euh, notamment les, les enfants du couple Jennings passent leur temps dans la télé, ce qui est bien normal à leur âge. Euh, ils jouent aux premiers jeux vidéo. Ils vont voir euh, Star Trek 2, La Revanche de cannes et c'est un grand événement quand ils s'y rendent. Ils rêvent que d'une chose, c'est d'aller à Epcot. Epcot, c'est ce, ce village de loisirs imaginé en Floride, et du coup, toute la famille espère y aller pour se changer les idées. Euh, il y a évidemment les voitures qui sont les voitures. Époque. Il y a le hockey euh, qui est le, le sport préféré euh, de euh, Misha euh, alias euh, Philippe Jennings parce que, évidemment, c'est le seul euh, un peu trait d'union euh, entre la Russie et les États-Unis de ce point de vue-là. Euh, et puis, je dirais qu'il y a aussi toute une ambiance euh, un peu euh, oubliée aujourd'hui euh, du, du climat mental des années 80. Il y a notamment euh, cette figure de prêtre, un prêtre pacifiste euh, qui euh, incarne à la fois la religiosité américaine mais aussi euh, une forme euh, d'engagement dans les causes des droits de l'homme dans les années 80. Et puis, il y a toute une intrigue assez euh, génial euh, qui porte sur un, un endroit qui s'appelle le Est. Est, c'est les Ear heart Seminar Training, et en fait c'est une sorte de gourou américain qui proposait du développement personnel. On est au début de ces de ces grandes vagues du développement personnel où euh, des, des gourous vendent 50 dollars un livre qui va permettre le bien-être et d'exprimer son moi intérieur, etc. Et en fait, plusieurs des personnages de la série se rendent euh, à ces séminaires, et en fait c'est pour des espions c'est particulièrement euh, euh, frappant les endroits où tout le monde se rend et où on donne la parole aux gens et on leur dit exprimez votre moi intérieur. Ben, eux précisément ils peuvent pas le faire, donc ils ont à la fois très envie de parler de communiquer dans les sortes de séances de thérapie de groupe de ce genre, mais en même temps, ça leur est totalement impossible. Donc là, ça joue bien sûr sur ces contradictions et ces mensonges permanents des personnages. Et puis, du point de vue historien aussi, on a quelque chose d'installation de, de, de la série dans une plus longue durée, on va dire. C'est une, une plus longue durée qui, fait, qui rappelle, en tout cas, dans, chez les personnages, il y a des allusions à la Seconde Guerre mondiale, hein, qui est la grande guerre patriotique pour les, pour les soviétiques. Ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet de, re, vraiment de recontextualiser euh, le cadre mental aussi dans lequel se trouvent finalement les, les personnages. Oui, c'est assez intéressant notamment pour le, le personnage d'Elizabeth Jennings. Donc on a dit, c'est cette espionne, Nadejda, de son vrai nom, et, et, qui est fervente et qui, presque jusqu'à la fin, euh, ne doute jamais, ne vacille jamais, même quand c'est très dur, même quand elle doit euh, tuer, briser le, le, le mariage d'une de ses amies pour obtenir des informations. Elle se sent coupable, mais elle le fait pour la cause. Pourquoi pour la cause Parce qu'en en fait, il y a des flashbacks sur son enfance qui nous la montrent, orpheline de père. Euh, à Moscou dans les années 1940, son père a été tué à la guerre on le comprend et en fait on apprend même plus tard qu'il a été déserteur donc du coup la notion de devoir patriotique est sans doute encore plus forte pour elle. Elle est élevée par une mère seule dans un cas un appartement communautaire soviétique avec trois autres familles dans des conditions très misérables et puis sa mère essaie de garder sa dignité. À Un moment il y a un responsable du parti qui l'approche en lui faisant comprendre que si elle veut bien coucher avec lui, il lui donnera des boîtes de conserve, il lui donnera l'accès à ce que la nomenclatura peut avoir d'avantage matériel et puis sa mère qui refuse et qui essaie de protéger sa fille et donc elle grandit dans ce climat d'après-guerre, de dureté, de privation. Et du coup, elle dit souvent à Philippe Moi, je n'ai pas oublié d'où je viens. Hein, toi, tu as le confort américain, tu t'es en mais moi, je n'ai pas oublié d'où je viens. Elle est née, euh, le personnage est né en 1940. Hein. Elle, a, elle a 41 ans euh, au début de la série. Euh, et du coup, c'est une enfant de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est plutôt bien montré. Euh, et ce décalage matériel entre l'opulence américaine des années 80 et la, la pauvreté des années 40, il est, euh, il est présent ici. Euh, tandis que pour Philippe, les choses sont moins nettes du côté de son enfance. On sait juste qu'il a été souvent battu dans son enfance et qu'il a dû apprendre à se bagarrer pour survivre. Euh, mais en revanche, il apprend un peu plus tard dans la série que son père était un garde. De camp au goulag. Et là, du coup, on, on comprend euh, que la culpabilité qu'il a de faire tout ce qu'il fait, elle est redoublée finalement par son histoire familiale, euh, sachant qu'il a aussi un, un fils euh, en Union soviétique euh, qu'il ne connaît pas vraiment et que son fils risque d'être affecté en Afghanistan parce qu'un des points dont on n'a pas parlé qui est très important, c'est que la guerre d'Afghanistan, c'est un arrière-plan et que ça pèse beaucoup sur l'URSS et ça pèse sur les personnages russes de la série. Oui, effectivement, ce que vous dites est intéressant, André, parce qu'on est sur l'histoire américaine, mais en arrière-plan, on a l'histoire de, de l'URSS et l'histoire mondiale par la même. Ça, c'est bien parce que tout est tout, ça montre qu'on est sur un monde qui est en interconnexion finalement, et que la guerre froide, ce n'est pas que quelque chose d'abstrait, là, pour cette famille encore plus, mais c'est quelque chose de très important. Oui, avec notamment comme autre intrigue et comme autre élément, dans la deuxième saison, il y a toute la question des contrastes c'est du Nicaragua. Euh, on a nos, nos deux espions soviétiques doivent démanteler un camp d'entraînement des contrastes. Les contrastes, c'était ces, ces forces spéciales visant à lutter contre les, les sandinistes communistes au Nicaragua, au moment où l'administration Reagan craignait que toute l'Amérique centrale bascule du côté communiste du fait de, des sandinistes. Euh, et du coup, clandestinement, ils soutenaient et finançaient ces contrats. Euh, et donc, on a là un camp d'entraînement et, et la volonté des soviétiques d'y mettre un terme. Et puis ces soviétiques, de temps en temps, on voit, d'ailleurs c'est assez intéressant dans la série, de temps en temps, il, il, il gravit dans un milieu du renseignement avec d'autres agents. À un moment, on a un sud-africain opposé à l'apartheid, un moment, on a une nicaraguayenne. Autrement dit, de temps en temps, il y a des petits personnages comme ça qui viennent rappeler la dimension mondiale de la guerre froide, dont on sait qu'elle a été très retravaillée par l'historiographie. Je renvoie notamment au livre de Odd Arne Westad, La guerre froide globale, qui a marqué l'historiographie de ce point de vue-là. Et puis, une série qui résonne avec l'actualité récente. Alors, on enregistre, André, on est à la fin du mois de janvier 2022. Hein, les tensions sont extrêmes en Ukraine entre les, les Américains et les Russes. Mais on a quand même aussi des, des, des véritables, on va dire, au moment où c'est tourné, en tout cas, cette série, au moment où elle est diffusée, euh, c'est la présidence de Trump. Et là aussi, les tensions sont, se sont réarmées, on va dire, avec la Russie de Poutine. Donc, véritablement, une série qui parle des années 80, mais qui a des résonances très actuelles. Oui, les tensions, et en même temps des tensions sous la présidence de Trump, qui était plutôt euh, masquée par une présidence qui euh, ne cachait pas sa sympathie pour Poutine et qui était accusée de collusion. Et la collusion, en fait, a été largement établie. Et on sait aujourd'hui, et les, les enquêtes l'ont montré, même s'ils si n'ont pas débouché sur les inculpations, qu'il euh, y a bien eu un soutien de la Russie à l'élection de Trump en 2016, des tentatives de manipulation d'influence. Donc, on était vraiment dans un cadre qui renvoyait à ce que décrivait la série. D'ailleurs, un des acteurs, Noah Emrich, celui qui joue l'agent d'Edgar Steinemann, avait tweeté, je crois que c'était en 2018, euh, « euh, Intrigue, manipulation russe sur le sol américain, euh, espionnage, euh, une histoire fascinante ». Ne manquez, pas, ne manquez pas le journal télévisé. Et après, il y a The Americans. Autrement dit, ce que racontent The Americans, c'est évidemment présent dans l'actualité. Donc là, ces interférences, elles ne sont pas voulues par les scénaristes, ils ont commencé avant, mais ils n'ont pas non plus reculé devant elles au moment de les intégrer en filigrane. Dans la série, c'est jamais frontal, c'est jamais fait avec de, de trop grosses ficelles, mais c'est quelque chose effectivement qu'on peut aussi voir au deuxième degré comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à André finalement en conclusion pour les auditeurs et les auditrices autour de la série The Americans, une série, on l'a dit, hein, qui, qui, qui permet de découvrir une période, qui permet de découvrir aussi des tensions, une série qui a des résonances actuelles. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, André Alors, Je pense qu'il faut dire que c'est une série de, de très grande qualité du point de vue d'abord euh, strictement... Euh, euh, cinématographique du point de vue de ce qu'est une série, du point de vue des acteurs, des costumes, des décors, de la dramaturgie, c'est quelque chose qui est vraiment parfaitement léché. Alors ensuite, je pense que c'est une série qui fonctionne à plusieurs niveaux. On peut la regarder, quitte à accélérer certaines séquences plus lentes. On peut la regarder pour le plaisir de la série d'espionnage et pour le plaisir de l'action et pour le plaisir des intrigues qui sont souvent assez fascinantes et prenantes. Et puis, on peut aussi la regarder au deuxième, au troisième degré, pour la dimension historique et puis pour la dimension intime qui est assez déchirante, hein, puisque ce couple sous nos yeux qui se déchire autour de son destin, de ses enfants, de ses mensonges, de l'impossibilité d'aimer euh, ou de, de, de trouver la loyauté dans l'amour, ben, ça renvoie à des choses qui évidemment peuvent être vécues, euh, y compris par des gens plus ordinaires parce que ces Americans, ils sont espions et en même temps, ils gardent leur caractère ordinaire qui fait qu'ils peuvent être très touchants. Donc, tous ces niveaux de lecture s'entrecroisent. Euh, ça marche pas toujours parfaitement parce qu'il y a des moments, notamment la saison 5, qui sont plus lents que d'autres et on a l'impression qu'il y a des choses qui couvent et qui mettent du temps à accoucher. Donc, euh, moi, j'ai quelques réserves sur euh, certains arcs narratifs, certains passages, euh, mais ça reste une série, à mon avis, parmi les meilleures, les plus pensées, les plus euh, séduisantes euh, des 15 ans. Merci beaucoup, André Loès, pour la présentation de The Americans, donc série d'espionnage hein, sur les années 80, essentiellement sur la fin de la guerre froide. Euh, vous avez fourni tout au long de l'émission quelques références bibliographiques que l'on retrouve sur le site internet histoire-en-série.com Et puis, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et foncez voir aussi, pour plus de, de renseignements, les épisodes précédents d'Histoire en série sur la guerre froide, hein, Deutschland 83, Tchernobyl, par exemple, et allez aussi sur parole, parole d'histoire, parole Faire le podcast d'André pour être au courant des dernières actualités de l'histoire, notamment sur les livres. Merci beaucoup. Alors, André. Vous y trouverez aussi un épisode sur, à la poursuite d'Octobre Rouge pour ceux qui aiment la guerre froide et les sous-marins, mais peut-être que sous-marins, c'est un thème dont on aura l'occasion de, de reparler. Voilà, je vois qu'André n'a pas résisté à spoiler. C'est très, très bien. On verra. Donc, on a effectivement un projet avec André autour des sous-marins. On y reviendra peut-être. Merci beaucoup, André. C'était un réel plaisir, comme à chaque fois. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup pour cette invitation, Nicolas. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter, at histoire en série, pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.